En Afrique, on raconte qu'autrefois, la lune aimait les hommes. Elle aimait les voir rire, chanter, danser, rêver. Quand la mort est apparue, la lune en a été émue. Les hommes ne riaient plus, ne chantaient plus, ne dansaient plus, ne rêvaient plus. Leur lamentation s'est levée jusqu'au ciel. On voyait de longs cortèges funèbres, les têtes baissées, les épaules courbées. Les hommes ne comprenaient donc rien. La lune a appelé le papillon. Papillon, papillon, vole jusque chez les hommes. Va leur dire de cesser de se lamenter. Va leur dire qu'ils sont comme moi, qu'ils me regardent. Chaque mois, je disparais pendant 3 jours pour réapparaître. Je meurs, mais je renais. Papillon va leur dire qu'il en est de même pour eux. Quand il meurt, c'est pour mieux renaître. Papillon aux ailes frêles, sois mon messager. Porte-leur cette nouvelle pour leur redonner l'espoir. Tout discours que l'on peut dire, ce sont des discours qui contiennent des paraboles en venant à raison. Et le papillon, heureux de porter ce message d'espoir, de joie, de renaissance, s'est envolé du ciel. Papillon aux ailes frêles a pris sa volée pour porter cette nouvelle aux hommes désespérés. Quand il arriva sur la terre, l'été fatigué se reposa sur une pierre près d'un lièvre qui dormait. Le lièvre, en son gîte, songeait. Il a vu le papillon posé sur la pierre. « Beau papillon, tes ailes tremblent. Quelle fatigue, quelle en est la raison ?»« De la lune, je suis le messager. » Un messager de joie, d'espoir, de renaissance. Je viens dire aux hommes qu'ils cessent de se lamenter quand l'un des leurs disparaît, qu'ils regardent la lune. Ils la voient chaque mois disparaître pendant 3 jours et puis réapparaître. Elle meurt, mais elle renaît. Je vais dire aux hommes qu'il en est de même pour eux. Quand ils meurent, ils renaissent. Mon beau papillon, le voyage est bien long. Tu es bien fatigué, laisse-moi prendre le relais. Et avant que le papillon ait pu réagir, le lièvre est parti de toute la vitesse de ses pattes, car à cette époque-là, il avait longues oreilles, patagile, patagile. Et le lièvre plein de zèle fut le messager qui apporta la nouvelle aux hommes désespérés. Quand il arriva au village, l'été excité, hommes et femmes de tout âge vinrent pour l'écouter. Le lièvre est arrivé au milieu du village. Les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants se sont rassemblés et l'ont entouré. Oh, mortel malheureux, de la lune je suis le messager. Apprenez que vous n'êtes pas comme elle. Regardez-la dans le ciel. Chaque mois, elle disparaît pour au bout de 3 jours réapparaître. Elle meurt et elle renaît. Eh bien, vous, malheureux mortel, vous n'êtes pas comme elle. Quand vous mourrez, c'est définitivement. Et le message à peine délivré, le lièvre a disparu de toute la vitesse de ses pattes. Alors, hommes et femmes, vieillards et enfants sont repartis. Les têtes à nouveau se sont courbées, les épaules se sont baissées. Il y a eu de longs cortèges funèbres, des lamentations qui se sont élevées vers le ciel. Et pour oublier leurs conditions mortelles, les hommes se sont adonnés à la boisson. Certains se sont mis à peindre, à sculpter, d'autres même à raconter des histoires, à chanter. Quand le papillon est arrivé, c'était trop tard. Le message avait été déjà donné aux hommes. Ce qui était dit, était dit. Quand la lune l'a appris, furieuse, elle a pris son bâton et elle en a frappé le visage du lièvre. Et depuis, le lièvre a gardé cette trace sur sa face.
Les hommes n'ont rien compris. Au lieu d'écouter le lièvre au visage fendu, il ferait bien mieux de lever les yeux et de regarder le sourire de la lune.